coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 11 février et dans 3 jours c'est la Saint-Valentin. On se retrouve pour vous apprendre à customiser des petits pulls d'amour à s'offrir entre chéris. Alors on sait, on vous a dit février, c'est le mois de la technique, on va vous faire 4 vidéos techniques, la technique ceci, la technique cela. Mais en vrai on a juste pas résisté à vous faire la surprise de vous faire une vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors on avoue, on s'est inspiré des pulls un peu cocooning qu'on voit partout et qui sont à la mode, à porter en couple avec sur l'un des pulls écrit le roi et sur l'autre écrit sa reine. On a trouvé l'idée sympa et on a voulu faire notre version à nous. Donc on a aussi dessiné des petites couronnes avec des petites oreilles et des petites moustaches parce que c'est super mignon. Mais bien sûr à cette étape, vous êtes libre de dessiner et d'écrire ce que vous voulez. Si notre petit dessin vous plaît, on le rendra disponible en version PDF sur le site internet hellosuperette.com. Voilà, et une fois que vous avez fini vos deux dessins, on va venir les appliquer sur le pull grâce au papier transfert. Pour les imprimer sur le papier transfert, il faut scanner vos dessins ou les prendre en photo, hein, si vous avez un téléphone qui fait des jolies photos. Vous ouvrez vos dessins dans un logiciel de retouche d'image. Vous boostez un petit peu le contraste pour que les blancs soient vraiment blancs et que les noirs soient vraiment noirs. Et ensuite, vous appliquez un effet de miroir. On l'imprime avec cet effet de miroir pour qu'une fois appliqué sur le pull, le visuel se retrouve à l'endroit. On a pris deux sweatshirts gris tout basiques, hein. L'esprit c'était toujours d'avoir un haut de survêt pour traîner à la maison, pour faire des câlins aux chéris, pour être super confortable. Et comme nos dessins étaient assez petits, on les a placés sur le haut de la poitrine, un peu sur le côté. Et ensuite il faut venir les repasser, et vous savez que ça a bien pris quand vous pouvez soulever le papier transfert sans trop de problèmes. Et voilà nos super pulls spécial Valentin. Si vous avez envie de vous faire un cadeau entre chéris, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour récupérer le PDF. Si vous voulez voir notre premier tuto technique et apprendre à coudre une poche zippée, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça vous évitera de rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. En plus, en ce moment, on est en Thaïlande, alors on poste des super photos qui vous font rager. On vous fait des gros bisous, on vous aime, et on vous dit à la semaine prochaine.